sais pas. Mais sois player, putain, je t'en fous. Où ça? Ah, ça. Oh là là. Hop. C'est bon. C'est bon. Donc, Dimodas tombe de Bruno, comme j'ai dit, hein, de Bruno, c'est un DMC très bête, très agressif par contre avec sa Lucidar. Tout en son métalette. Mais Dimodas mène au Libar, il a été kill, assez offensif. C'est parti, qui a participé à l'épique, directement il y allait. Il le sait, hein, le match-up, faut pas le laisser trop au Libar respirer. Sinon, il peut toujours ça depuis le second. Très bonne réaction de la part de. Calmement roll derrière les roues, ils font un smash et finir les options à l'aide. Le Rodo, tu reviens avec un fer pour bloquer littéralement les petites de l'Olimar. Pour moi, c'est présent. Oh! Un petit contest de la porte de Tibet. Oh! J'ai pas vu tes pitmines. Ok, là c'est le violet, ça va faire très mal. Ok, il l'a utilisé pour. Ah, il veut changer, il veut pas le feu en vache. Le pitbull blanc, il a été coupé. Le vache, pas de. Les deux personnages sont été coupés, ça peut aller très très vite. Encore une fois, on aura un combat très dynamique, hein, comme pour y attaquer ça. Si le retour prend le stun, c'est sans problème. D'accord. C'était un coup bait, il a pas pu le fuir. Il a eu un coup de. On savait pas trop où ça allait. J'ai adoré que du coup, j'ai rebondi sur l'effet de Lucina alors qu'il était à l'arrêt. C'était rigolo. Oh, il a plus de grave. Et là on voit Dimodas t'arrive sur une configuration très offensive, ça va plus voler, je sais pas si tu peux garder, non il garde le jeu, je crois qu'il voulait aller sur le jeu. Dimodas tu veux pas le laisser remonter et finalement le tueras avec un fer après 3 techs. Il est toujours assez puissant pour tenir. Oh très très beau d'appui, bien joué ça. Les frames d'appui, l'interchangeabilité je crois, qu'il a pris qui nous permet de land. Bien essayé, il a plus de mal à le faire. Et Rodo qui est un peu gêné par les pitbulls. C'est très aérien, il essaie d'approcher Dimodas en l'air. Il l'a eu, il a tenu le grab. Est-ce qu'il va le laisser remonter? Avoir la clé du match-up pour le parc. Là on l'a vu, Dimodas c'est très terrestre. Hein. Il peut être défendu ça. Il a assez peur pour le disque. Et voilà le grab a tout vu et situation de force. Il a 3 tours sur le dopage. Et Rodo qui a utilisé un peu et le up. Voilà, il était depuis une bleue bien sûr. Hein. Ça part encore. Il est trop le coup. Ah bah oui, non, d'accord. Ouais, c'est bon. Il a atteint la configuration. Ah non, il a qu'un seul coup. Bon, t'as bien vu de sub sur le tout à l'heure. Il attend le coup. Là, il a été très rapide pour aller vers le haut. Pour éviter de se faire tuer par les. Excellent le combo et très bonne rythme sur le landing. Vraiment bien joué de sa part. Double violet, un bleu, voilà, on a parlé, la fameuse configuration offensive. Un grab qui tue, deux aériens qui défoncent. C'est. Bah, il ne se rappelle pas longtemps, c'est pas mort. Bah, des Rodo, ça fait un excellent joueur de landing. Ah! Le Sombra Smash. Et ça tue. Ah non, le Bitman bleu, oh, il aurait dû switch juste avant, mais finalement, les Rodo ne pourra tout de même pas revenir. Et le point. Tu auras bien profité de destination finale. Le stage aura pas mal joué, je pense. Parce que, je sais pas s'il a eu le choix. Mais Olimar sur DF, hein, très bon et puis surtout que les coups ont fait une petite bug avec les plateformes, un peu comme le dessin de Olimar. Résultat, ça fait que ça peut un peu le nerf. Même affecter un peu son de jeu. Au revoir, Kikabu. Merci d'être passé. D'avoir animé le chat. D'accord. Donc c'est des Rodo qui a directement le canon d'or pour affronter les Libar. Encore des F1, bon après c'est les Libar. Ah, on dirait qu'il a un petit peu mal que des Libar. Mais reste prudent quand même, on le voit, mais. Ah non, il ne respecte pas. Ok, bah, Libar ça va directement en fait le canon d'or. Oh, c'est un nouveau spike. Non. De jouer de la part de Gerudo, t'as pas réussi à transformer la phase des joueurs de Dimodas en spike. Et derrière, retourner les joueurs à son avantage, c'est excellent. Ah, d'ailleurs, il y a le théorème des 4 coups de avec Gerudorf, hein, qu'on a pu vérifier plusieurs fois dans les matchs de Gerudo. Donc on va voir si c'est vrai. Voilà, un coup. Ah, un trop. Ok,
Bien sûr, ça compte pas, ça reset. Ultra agressif dans le dernier endorphin, et je crois que tu dois savoir que le personnage va beau être menaçant si on joue son jeu. Donc il a deux coups. Si on joue son jeu, ça peut être très dangereux. Trois coups et on va voir le casque. Ah bah non. Oh bah voilà, le tir d'homme. Encore, hein, il joue tout le temps à l'Espagne. Et finalement, ce sera lui qui sera. Ah oui, il va pas plus puissant, j'avais déjà fait. Mais oui, après, je sais pas si si Olimar a un très excellent spike. Oulala, très bien joué de la part de lui. Qui a utilisé son air dodge, il a gardé son saut et il a littéralement fait comprendre à Nimodas qu'il devait pas aller ledge guard en faisant ce repère. Alors qu'il n'avait personne autour de lui. Il a clairement compris que s'il allait. S'il sortait le voir, c'était un peu compliqué. Et Nimodas, ça joue le jeu et il n'a rien fait. Et là, tout le monde. Bon, ce petit bleu va faire des longs tours. Il le garde, hein, il le garde que lui d'ailleurs. Ah, il veut le double. Après le. Ah, super bien joué, le plan. Le plan, il dit tes ténèbres, la magie. Tu dois voir. Pas. C'est tout. Et ça met énormément de pourcent. Bien joué. Attendu le side et elle a directement fini avec. Et le spike. Donc finalement, c'est un spike. Après, c'est le violet. Bien joué de la part de. Qui a suffoqué en fait, qui a empêché Gerudo de développer son jeu avec Ganondorf en étant très agressif et en ne respectant pas certaines options de Ganondorf qui fait très peur mais qui reste quand même très lent et très punissable. Voilà.